Bonjour à tous et bienvenue sur L'Actu, la chaîne de l'actualité People et Télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Kim Marchand a eu 1000 vies dans la sienne. Il a pris paisiblement le vendredi 15 décembre 2023, comme l'ont annoncé ses deux enfants, Jules et Ludivine. Il s'est éteint paisiblement ce vendredi à l'hôpital de Cavaillon, où il a été ainsi sombrement indiqué. Kim Marchand avait 86 ans. Deux jours après le décès de son papa, Jules vient de publier un magnifique message sur son compte Instagram. « Papa, je t'aime », débute-t-il. « Cette vie à tes côtés m'a tellement donné. Tu es mon père, mon frère, mon ami, mon confident. Toute la personne que je suis aujourd'hui a été taillée par tes paroles. Tu m'as appris à ne plus avoir peur, à aimer, à contempler les moments les plus simples de la vie en me disant « Là, mon fils, nous sommes immortels. » Regarder notre film du soir avec la hâte de nos grands enfants que nous sommes. Rire devant le cave, ce rebiff ou le viager. Et de fasciner devant nos westerns. Je ne voulais pas que tu partes, mais nous avons regardé la fin ensemble, cette fois-ci. Poursuivit Jules Marchand, qui avait hérité de la passion du cinéma de son papa. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Kim Marchand a eu 1000 vies dans la sienne.